Ben voilà, maintenant j'ai de nouveau tout l'équipement, voilà, que j'ai démonté, qu'on s'avait dit que j'allais démonter tout, des épisodes précédents quand j'avais tapé sur les casseroles. Voilà, et j'ai démonté ça. Voilà, ça c'est le haut qui va dans le monde, et là le tuyau qui vient débarque. Alors, c'est ça, pour nettoyer ça, hein. Voilà. Ça, c'est les 40. Voilà. Il fallait juste ouvrir ça. Hein. Et après, ça, là-dedans, le vider. Et hop, et après, il y a le joint. Bon. On passe. Et après, il faut le laver. Puis ça, et il faut bien faire attention au joint. Que le joint il soit et aussi un autre joint, hop, tac, qui est là-dessus. Et alors là, voilà. Voilà, démonter, voilà. C'est comme ça. Et alors, il y a un joint plastique comme nous. Nous, oh, il se joint au brick qui est à sommaire. Quand on remet, ça devient nouveau bien, voilà. Après, étanche, voilà. C'est tout ce qu'il fallait faire, et puis l'eau, ça, et bon, bien sûr, quand il y a ça, c'est ce que j'avais avant, hein. Bon, pour maintenant, il faut passer avec de l'eau, comme ça, voilà. Alors, je passe comme ça, voilà. D'accord, hop. Là, comme ça, là, partout. Yep. Là, mais maintenant, ça peut plus couler, là. Parce que j'ai mis un bon d'un siphon et siphon neuf, hein. Alors, ça, c'est l'ancien, hein. Alors, ça ne peut pas couler en bas. C'est impossible. Bon, voilà. Ça, il est gardien des airs. Voilà. Encore celui-là. Yep. Voilà. Ça, c'est la petite cuvette, comme ça. Voilà. Et après, ça, il faut le nettoyer. Hop. Donc, on change dedans. Et puis, ça, c'est ça qui se branche sur la bande. Et après, c'est automatiquement là-dessus. Après, on vit ça sur la pompe. Là, qui est là-dedans. Et après, il y a un petit pont qui va sur l'autre. Là-bas. Bon. Comme ça. Là-bas. Et c'est un double aiguille. Hein, d'accord? Bon. Et alors, bien serré fort. Et puis, si ça va pas, après, un autre. Là, c'est pas. Ça marche, c'est bon. Et après, encore, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, le cabinet aussi, on peut aussi nettoyer, on peut aussi nettoyer. Nettoyer les pieds, on peut aussi tout nettoyer avec. Voilà, je me fais la voix et désinfecter un petit peu. Et hop, t'es par un dessous. Et voilà, hop, ça c'est bon. Voilà. Et ça c'était maintenant le seau, pour récupérer l'eau sale. L'eau sale, on la met où? Dans la cuvette des chiottes. Et après, c'est bon. On rince, et hop, le seau est propre, bien picobello. Après, bon. Vous savez ce qu'il y a? Opération contraire. Refermer le tout et voilà. Et puis bon, je m'en reviens. L'eau coule bien, tout ça, tout est bien étanche. J'ai fait une sanitaire, j'ai tout fait là-dessus. C'est électrique, je suis pas de problème. Voilà, maintenant on passe à autre chose.